Moi, je viens du monde public. En fait, mon parcours m'a mené dans le service public, au service des autres, au service de la ville, puisque je suis ingénieure en génie urbain, avec une grande expérience en matière de RSE, puisque effectivement, j'ai fait voter le premier plan climat de Paris, le premier plan biodiversité de Paris. J'ai travaillé dans l'industrie, dans le secteur des déchets. J'étais directrice générale de Paris. Et puis, j'ai travaillé au ministère de l'Environnement et au ministère de la Cohésion des Territoires comme secrétaire générale, où là aussi, on a mené pas mal de choses en matière de politique interne RSE et de parité hommes-femmes. Dans les réalisations concrètes, parce que ce qui m'anime, c'est de changer les choses dans la vraie vie. J'ai été amenée à construire 40 hectares de jardins dans Paris, qui est une des villes les plus denses du monde, parce que c'était important de rapporter du bien-être en ville et de la nature en ville. Et donc voilà, c'est un des exemples en fait de réalisations concrètes. Alors j'ai dirigé en fait une grande entreprise publique hein, au Haut de Paris. J'ai travaillé également dans une société de services qui était dans le secteur privé, mais c'est la première fois que je travaille dans l'immobilier et dans un grand groupe coté en bourse. Et je suis venue chez Nexity par continuité en fait avec mon parcours, parce que j'avais envie en fait que ce grand groupe qui porte depuis toujours le logement pour tous, qui est une vraie valeur avec la fondation Nexity qui est extrêmement impliquée en fait hein, au service des plus démunis. Je trouvais intéressant de voir aussi comment développer cette valeur dans le secteur environnemental et donc d'influencer la construction bas carbone, puisque la construction c'est quand même 25% d'émissions des gaz à effet de serre, c'est un quart des émissions énergétiques, et donc ça valait le coup effectivement de voir comment changer les choses dans un groupe qui a les moyens de le faire. Je pense que je peux apporter un autre regard, une expérience en fait variée, puisque j'ai travaillé dans une douzaine d'entités différentes. Et donc c'est intéressant aujourd'hui de confronter des expériences extrêmement variées de cette plateforme de services. Nexity est un groupe qui va de l'aménagement à la construction en passant par l'exploitation. C'est un groupe qui a une très très grande palette de métiers. Et ce que je peux apporter à cela, c'est du sens, c'est de l'alignement. Je pense que c'est extrêmement important que ce qu'on fait pour l'extérieur, quand on fait du logement pour tous pour l'extérieur, on l'apporte aussi à l'intérieur et qu'on prenne soin effectivement de nos salariés, qu'on apporte de la parité, qu'on apporte du soin à la diversité au sein de l'entreprise, et que finalement toute cette force qui émane de ce groupe, toute cette créativité, parce que c'est un groupe d'entrepreneurs qui est extrêmement innovant, puisse être mis au service d'une cause unifiée qui est la RSE, donc effectivement le soin à l'attention du bien social de la société, et puis bien évidemment de l'environnement et du bien-être.